Écoutez bien, chrétien, étant que serviteur de Dieu, le moindre des apôtres, j'aimerais dire, tous ces pasteurs-là, tous ces pasteurs, ces vendeurs dans les temples, ces commerçants, qui vous font vendre de l'huile d'onction, du sel, tous ces pasteurs-là, qui vous font payer des entretiens, ou qui font des conférences payantes, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'assume ce que je dis. Si j'assume ce que je dis, étant que homme de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu, l'accès à la parole de Dieu ne doit pas être payant. L'accès à l'onction ne doit pas être payant. Tous ces hommes de Dieu, prétendus des hommes de Dieu, j'aimerais vous dire en face, vous êtes des voleurs et des charlatans. Et vous tous ces chrétiens qui cautionnez ces choses-là, qui soutenez ces gens-là, vous serez aussi condamnés, vous ne serez jamais bénis, parce que vous êtes en train de soutenir des gens qui salissent l'évangile, qui détruisent l'évangile. L'huile ne doit pas être payante. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la Bible est claire. Soyez bénis. J'ai un réma à vous donner. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, quand vous tombez dans le péché avec une belle sorcière, je dis bien une belle sorcière, et le diable sait maquiller ses filles. Le diable sait rendre séduisantes et belles ses filles. Quand le diable est dénué et maquille ses filles, oh, ça attire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 6, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes comme femmes, parce qu'elles étaient maquillées et rendues belles par le diable lui-même. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, il y a deux issues. Comme vous êtes dans le péché, où elle vous tue, elle vous communique une maladie, elle vous communique le cancer, elle vous communique peut-être la schizophrénie, la dépression, elle vous tue, ou autre chose, elle vous initie dans la sorcellerie. Elle vous initie. Pendant que vous l'embrassez avec ses venins, esprit de python, elle vous met des venins en vous et vous aussi, vous êtes initié dans la sorcellerie. Et un esprit va vous contrôler. Un esprit va vous contrôler et vous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, détruire les hommes de Dieu. Vous serez inconsciemment ou consciemment au service du diable. Alors attention, gardez-vous dans la sainteté. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Ouais, il n'y a pas de problème. On a payé petit à petit et sous pas ni l'argent au cas où. Voilà. Il n'y a pas qu'à porter plainte. Mes amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire une mission spéciale. Nous allons prier ensemble. Je vais prier avec vous. Des fois, nous partageons la parole, des fois, nous discutons. Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement, parfois, qui ont envie de prier. Mais avant de prier, nous allons demander à Dieu de purifier nos cœurs. Comme on a vu, le cœur est la boîte à l'être de Dieu. David a dit, mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Voyez, nous allons voir dans quel psaume David a dit cela. Hein? Mon cœur dit de ta part. Voilà, voyez, votre cœur peut parler. Psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Dans la version Martin, Bible de Martin, on dit, mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. La version Darby, elle dit, mon cœur a dit pour toi,
cherche ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. Dans la version King James, when Frog says, seek ye my face, my heart said, unto free. C'est anglais compliqué, cet anglais-là. Ah, là, c'est notre anglais, ça. English Reversed Version. Bon, c'est bon, on s'arrête là. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Voyez. Ce verset du psaume 27 nous montre que votre cœur peut parler de la part de l'Éternel. Voyez, et j'aimerais vraiment que vous compreniez que parfois, nous avons une pensée, vous avez une idée, mais vous ne savez pas que c'est votre cœur qui vous parle. Comme nous avons vu, Dieu nous parle très souvent et on ne s'en rend pas compte. Dieu nous parle très souvent, plus souvent qu'on ne le pense. J'aimerais envoyer cette partage à Yannick, le chanteur Yannick. Aujourd'hui, hier, je me suis retrouvé avec le chanteur Yannick dans l'avion, même place. On était assis côte à côte. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard dans un avion où il y a 300 personnes, 200 ou 300 personnes, l'avion est plein? Et il y avait deux places. Et on s'est retrouvés côte à côte durant tous les vols. Si vous pensez que c'est un hasard, c'est que vraiment vous êtes un incrédule. Comme a dit quelqu'un, les incroyants n'existent pas. Ceux qui se prennent pour des athées sont des croyants des choses impossibles, des croyants aux coïncidences hasardeuses. Imaginez-vous un avion où il y a 300 places. Et moi, je voulais prendre une place où j'ai mes pieds libres. D'abord, il fallait que je prenne ce vol-là où il est. Et on s'est retrouvé assis côte à côte, que deux. Et bien sûr, on a parlé. Et à mon grand étonnement, ce monsieur qui chante, je me suis rendu compte qu'il a une spiritualité. Voyez, des fois, on a des arrière-pensées. Croyez-moi, on se trompe beaucoup sur les gens. Croyez-moi, je vous dis, on se trompe beaucoup sur les gens et on juge trop facilement les gens. Et je parle avec lui et je me rends compte que il a une certaine spiritualité profonde. Il prie réellement. Et il m'a dit, il a commencé sa carrière de chanteur dans une chorale gospel. Et c'est là où il a tout appris. C'est là où il s'est amélioré. J'ai dit, waouh! Et on a sympathisé, il est très sympathique. On a parlé et puis nous avons parlé de ce projet de faire un album. Un chant. Je préfère faire un chant. On a parlé. Et pendant qu'on dort dans l'avion, il s'est endormi et il s'est réveillé. Il m'a dit, pasteur, j'ai eu un songe. Le chanteur, hein? Pasteur, j'ai eu un songe. On était dans l'avion, moi j'étais à genoux, je priais pour ce vol. Et toi tu étais à genoux, tu regardais telle direction, tu priais aussi. Dans l'avion, il a eu un songe. Dieu est merveilleux. Et Dieu a un plan pour les Antilles. Croyez-moi, Dieu a un plan pour les Antilles. Nous prions, je prie ce matin pour Yannick, ce soir plutôt pour ceux qui sont en Guadeloupe qui me suivent. Je prie pour le chanteur Yannick, que Dieu le bénisse. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour cet homme. Avec toi, il n'y a pas de hasard.
Seigneur, je réclame le sang de Jésus-Christ sur lui, la protection de Dieu. Puisses-tu marcher avec lui, puisses-tu te révéler à lui et puisses-tu terminer ce que tu as commencé avec lui. Voyez, quelqu'un d'autre dira c'est un hasard. Quelqu'un d'autre dira c'est une coïncidence. Mais moi, je sais que une telle coïncidence est trop grande. Il y a un plan de Dieu pour cet homme-là. Il y a un sens, voyez. Et je suis en train de prier pour savoir est-ce que ce projet que nous avons de faire un chant pour Dieu ensemble, moi je veux parler, lui va chanter. Dieu a quelque chose, il y a une bénédiction grande derrière cela. Il y a une grande bénédiction derrière cela. Bien-aimé, Dieu nous parle plus que nous le pensons. Et Dieu nous parle plus que nous pouvons l'imaginer. C'est comme Patrick Saint-Éloi, je rentre dans l'avion, et je me suis assis à côté de lui. Je m'étais assis à côté de lui. Il avait mis son chapeau, il avait un peu maigri, et je ne savais pas que c'était lui. Et dans l'avion, à ma gauche, il y avait Tania Saint-Val, que j'aime beaucoup, et on était en train de parler, et je commençais à lui parler de Patrick Saint-Éloi. Et je lui ai dit, mais on a un projet de faire un album gospel. Moi, j'aime bien qu'on chante le gospel pour le Seigneur. Et pendant qu'on parle, Tania me dit, mais Patrick Saint-Éloi, il est à ta droite là, c'est lui qui est là. Et je regarde, c'était lui. Tu ne me diras pas que c'est un hasard. Non. Ce n'est pas un hasard. Moi, je sens dans mon esprit que Dieu m'a mis à cœur m'a donné une onction spéciale pour les artistes et musiciens. Et c'est un devoir, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Je peux vous raconter comment Dieu lui-même arrange les choses, qu'il mette ces gens sur mon chemin, sur ma route. C'est incroyable, quoi. Et Dieu lui-même arrange les rendez-vous, les choses. Vous voyez, mais le problème qui se passe, des fois nous avons du mal à croire. Vous savez, quand vous ne croyez pas que Dieu vous parle, vous ne l'écouterez pas. C'est comme si le téléphone sonne, vous ne voulez pas décrocher le téléphone. Mais si vous ne voulez pas décrocher le téléphone, vous n'allez pas entendre qui vous appelle. Croyez-moi, Dieu vous parle plus souvent que vous ne le pensez. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On va dans le principe, il faut d'abord accepter comme axiome, comme on dit, axiome spirituel, axiome mathématique ou axiome spirituel, que le hasard n'existe pas. Le Dieu hasard n'existe pas. Il n'y a pas et rien pour rien. C'est comme ce théorème, cette théorie physique qui dit il n'y a pas de mouvement sans force derrière. Il n'y a pas un mouvement sans qu'il y ait une force derrière. Dieu ne parle jamais en vain. Et quand vous allez comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, vous allez devenir un grand observateur. Vous allez commencer à observer tout ce qui se passe autour de vous et à chercher à comprendre pourquoi. Vous voyez, moi, je me suis assis à côté de Yannick durant tout un vol. On a vraiment sympathisé, on a parlé longtemps, et j'étais même étonné comment il est proche de Dieu. Et il m'a beaucoup encouragé parce que je me suis rendu compte que les émissions que je fais sur Télé Anti avec Jean-François Saint-Louis touchent plus du monde qu'on ne le pense. Il a enregistré 2 émissions dans son portable. Et il m'a dit, ça l'a beaucoup touché. Et lorsque il m'a vu, j'ai montré ma bouteille de bière devant la télé. Il a dit, mais le pasteur, il est sincère, il est honnête. Il n'est pas un menteur. Vous voyez, lorsque on veut se faire passer pour un homme sans défaut, pour un homme parfait, on décourage les autres parce que les autres disent, mais on ne sera jamais comme lui.
Lui, il est très proche de Dieu, mais alors qu'on est tous pareils. On est tous des pécheurs nettoyés et purifiés par le sang de Jésus. Personne ne mérite le salut. J'aimerais vous montrer un autre exemple. Hein? L'exemple de Samson. Samson, on l'attache les pieds, on l'attache les mains par les Philistins. Pas les pieds plutôt, on l'attache les mains par les Philistins. C'est les Hébreux qui l'attachent les mains pour le livrer aux Philistins. Vous vous rendez compte, votre propre peuple que vous défendez, pour lequel vous risquez votre vie, vient vous attacher les mains pour vous livrer à votre ennemi. Est-ce pas une trahison ça? Ben, il y a des trahisons. Hein. Samson, son propre peuple, a été menacé par les Philistins. Les Philistins ont dit, si vous ne livrez pas Samson, on va tous vous tuer. Et ces gens sont allés voir Samson, ils ont dit, Samson, excusez-nous, on n'a pas de choix, on doit te livrer aux Philistins. Ton propre peuple. Hein? Samson était né comme juge pour délivrer Israël, pour protéger Israël. Et Samson a consacré sa vie pour cela. Voyez. Et des fois, nous les pasteurs, ça arrive parfois, tes propres fidèles te lâchent et te livrent. Ils espèrent ta fin et ta chute. Je vous dis, des fois, c'est terrible, bien-aimé. Croyez-moi, c'est terrible. Des fois, c'est ton propre père, ta propre mère. Comme David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. David dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Vous rendez compte? Il y en a qui ont été empoisonnés par leur propre femme, pas ou par leur propre mari. Ah, oh Jésus, il n'y a que Dieu. J'aime ce chant-là qui dit, il n'y a que toi papa, il n'y a que toi. Dans ce monde, il n'y a que Dieu qui ne te trahira jamais. Un homme reste un homme. Je ne dis pas que ton mari va te trahir ou tes enfants vont te trahir. Mais une chose est sûre, la seule personne à qui on peut faire est une confiance aveugle, dont tu peux être sûr qu'il ne te lâchera jamais, c'est Dieu. L'être humain reste un être humain. Donc Samson s'est retrouvé ligoté, son propre peuple l'a livré. Et il a vu une mâchoire d'âne qui traînait là, par terre, pendant qu'il était ligoté et que les Philistins l'ont capturé. Il a vu une mâchoire d'âne traîner là. Et Samson ne s'est pas dit que c'est un hasard. Samson était un observateur. Il observait autour de lui, il dit, mais Seigneur, comment je m'en sortirai? Comment je ferai? Et je vous dis, il n'a pas entendu une voix. Samson n'a pas entendu une voix. Samson n'a pas vu un ange. Vous savez, les problèmes que nous les chrétiens aujourd'hui, le problème qui fait que des fois nous sommes à côté, parce que nous sommes devenus trop sophistiqués. Nous aimons trop les choses spectaculaires. Les révélations spectaculaires. On veut voir un ange pour croire que Dieu nous a parlé. Ou bien on veut sentir la chair de poule pour être sûr que le Seigneur est avec nous. On est devenu trop sensationnel et spectaculaire. Alors que parfois Dieu parle dans sa simplicité. Et Samson savait qu'il avait besoin d'une arme pour se défendre, mais il n'avait rien.
Et lorsqu'il va regarder à côté, il voit une mâchoire d'âne qui traînait là. Il a vu une opportunité qui était là. Il s'est dit, ce n'est pas par hasard que cette mâchoire traîne là. Ce n'est pas par hasard que cette mâchoire traîne là. Il a tout de suite compris que c'était une opportunité. C'est Dieu qui avait mis ça pour lui. Il a cassé les menottes, les cordes qui étaient sur lui. Il a récupéré la mâchoire. Avec cette mâchoire, il a tué 1000 Philistins et il s'est délivré. Combien de fois, j'aimerais vous dire, certains chrétiens évangéliques d'aujourd'hui auraient été à la place de Samson, ils voient une mâchoire d'entraîner là, il va dire, Seigneur, je veux une confirmation que cette mâchoire-là, c'est toi qui l'as mis, c'est pas le diable. Nous voyons tellement le diable partout. Oh my God! Nous voyons tellement le diable partout. Vous voyez, certains chrétiens évangéliques, je sais de quoi je vous parle, auraient été à la place des Samson, ils auraient dit, Seigneur, une confirmation que c'est toi qui as mis la mâchoire là, c'est pas le diable. Il n'y a rien, rien. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Des fois, le voisin qui est au-dessus de toi, ce n'est pas par hasard que Dieu l'a mis là. Il y a des rencontres que nous avons, ce n'est pas un hasard, vous voyez. Il y a des rencontres que Dieu crée dans la vie. Ce n'est pas un hasard. C'est pour cela, vous devez être humble et respecter toute personne que Dieu met sur votre chemin. Ce n'est pas un hasard. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à chercher, à dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi pourquoi tu permets ça, pourquoi tu permets ça. Et quand vous allez commencer à interroger Dieu, et Dieu va commencer à vous parler. David a dit, mon cœur dit de ta part. Et je tiens à vous confirmer. Et vous voyez, lorsque j'ai rencontré Yannick dans l'avion, on a parlé, et il m'a dit, Mais, pasteur, tout le monde va connaître ta femme. Parce que des fois, Jean-François pose la question, Jennifer a dit, mais tout le monde va connaître ta femme. On a rigolé. Et j'ai écrit à Jennifer dans l'avion. Parce que maintenant, on peut connecter et parler dans l'avion. J'écris à mon épouse. J'ai dit, je suis avec Yannick dans l'avion. Et Jennifer me dit, mais j'ai déjà chanté avec lui. Je dis, ah bon? Il dit, mais oui, dis-lui, c'est moi. Alors je dis, Yannick, tu as déjà chanté un jour dans une... Il me dit, oui. Je dis, mais tu as chanté avec Jennifer, ma femme, c'est elle. Il me dit, ah bon? Et je ne savais pas que c'était elle. Je dis, mais c'est elle, ma femme. Vous voyez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Dieu nous parle, mais Dieu nous parle tellement simplement. Dieu nous parle tellement dans la simplicité que nous ne prêtons pas attention. On va voir ce passage qui nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Des fois, nous ne prêtons pas attention. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est sûrement c'est dans Job, voilà. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. J'aime bien ce verset. Job 33, verset 14. Karabashi, karababa, rabashi, ndiri, bibi, bibi. Verset 14.
Ah, verset 14, voilà. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Souvent, on n'y prête pas attention. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Je vous ai dit, quelle différence y a-t-il, si je parle biblique, parce que dans le dictionnaire Larousse, songes et visions sont des synonymes. Songes et visions sont des synonymes. Mais dans la Bible, quand on parle de songes, c'est des rêves dans lesquels vous êtes un acteur. Vous avez un rêve dans lequel vous êtes un acteur. Vous rêvez que vous partez quelque part, vous parlez avec quelqu'un, mais ce rêve-là a un sens. Alors qu'une vision nocturne, c'est un rêve, mais dans lequel tu n'es pas un acteur, tu es un spectateur. C'est comme une télévision, on dit bien télévision. Donc tu es un spectateur, tu écoutes, tu vois des scènes, tu vois des gens parler et au travers de cette vision, Dieu vous parle. Vous voyez, Dieu nous parle, Dieu te parle le plus souvent, mais sauf que nous sommes distraits. Nous sommes distraits et malheureusement, le fait de ne pas écouter la voix de Dieu peut être préjudiciable. Croyez-moi, ça peut vous coûter cher. Quand Dieu vous parle et que vous ne comprenez pas, bien aimé, ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter votre santé, ça peut vous coûter même votre vie. Ça peut vous coûter votre vie. Je sais de quoi je vous parle. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Si Dieu vous avertit d'un danger et vous n'écoutez pas, et vous allez tomber dans ces dangers. Et normalement, aucun malheur doit nous arriver, aucun fléau ne doit s'approcher de notre tente lorsque on écoute la voix du Seigneur, lorsqu'on écoute Dieu nous parler, lorsque on prend en compte les avertissements de Dieu. Parce que Dieu nous avertit toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors dans le psaume de David, il dit « Mon cœur parle de ta part ». Donc parfois, Dieu nous parle par une voix douce à l'intérieur de nous. Le plus souvent même. Le plus souvent. Parce que Dieu n'est pas un impressionniste. Vous voyez, le diable est un impressionniste. Quand Goliath et s'est avancé devant David, il parlait trop, il montrait ses muscles. Et vous savez, quand quelqu'un parle trop, c'est qu'il y a un problème. Les gens qui sont sûrs d'eux ne parlent pas trop. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Les gens qui connaissent leurs valeurs ne sont pas toujours agités, ils sont calmes. Calme comme les lions. Le lion connaît sa force. Il connaît ce qu'il vaut. Il ne s'agite pas. Il n'a rien à prouver. Il est calme. Quand vous voyez quelqu'un en train toujours de parler, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis saint, moi je suis comme ça, moi je suis un homme sérieux, moi je suis... Et moi...
Monsieur qui a caché un bitin. Il y a un problème. Anguille sur roche. Anguille sur roche, comme on dit aux Antilles. Monsieur qui a caché un bitin. Mais quelqu'un qui connaît sa valeur. Et c'est comme les arrivistes ou les pauvres. Il suffit qu'ils gagnent un petit peu de sous. Malheureusement, c'est dans, dans mon pays aussi, notre culture là. Hein, des bling, 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 bling. Tu as un peu de sous, il faut acheter une grosse Mercedes, il faut mettre une grosse montre, et il faut faire ceci. On veut toujours, notre culture, hein, on veut toujours montrer qu'on a les sous. Mais en fin de compte, quand vous regardez en détail, on n'a pas grand chose. Mais le milliardaire, là, hein, les vrais milliardaires, ne montrent rien. Ils sont distraits. Au contraire, ils sont distraits. Ils veulent cacher quelque chose. Ils ne veulent pas montrer leur richesse. Ils sont distraits. Mais ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont même pas grand chose, ont fait trop du bruit que la réalité. Et Dieu, il est comme ça. Dieu, il ne fait pas trop de bruit. Il est très simple. Dieu n'est pas un Dieu impressionniste. Voilà pourquoi les gens se disent, mais est-ce qu'il existe Dieu? Ouais, pourquoi il ne se montre pas? Il n'a pas se montré, il n'a pas prouvé qui il est. Au contraire, il se cache. Comme on dit dans Esaïe, on dit Dieu se cache. Pourquoi Dieu se cache? Et c'est pour voir le fond de notre cœur. Parce que si tout le monde savait que Dieu était là, et tout le monde deviendrait gentil. Si Dieu se montrait là aujourd'hui, tout le monde le voyait, même les gens méchants auront peur de l'enfer et vont devenir gentils. Oui, ils vont devenir gentils parce qu'ils veulent échapper à l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste a vu beaucoup de scribes et de pharisiens venir à lui pour être baptisés, Jean-Baptiste a dit « Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez plutôt des fruits dignes de la repentance. » Vous voyez ? Donc, les gens, il y a des gens qui sont méchants. Et s'ils voient Dieu, ils se rendent compte qu'il y a un Dieu et que Dieu se montre clairement dans le ciel pour eux. Et malgré leur méchanceté, ils vont faire semblant. Ils vont commencer à se contrôler pour ne pas aller en enfer. Voilà pourquoi Dieu se cache. Pour que notre fond de cœur soit connu. C'est comme un papa qui part et qui se cache. Il dit aux enfants, je ne suis pas là. Il laisse ses enfants, il laisse au fils aîné la direction de la maison. Mais le papa n'est pas parti. Il est dans la maison, il se cache, il observe pour voir si son fils va traiter bien ses frères et sœurs. Si son fils mérite sa confiance. Il se cache dans la chambre, il regarde comment se comporte son fils. Et le fils, il croit que papa n'est pas là. Parce que si le fils, il sait que papa est là, il se comporterait tellement bien. Et papa ne sait pas si le fils le fait. Et parce qu'il est là ou parce qu'il aime ses frères. Alors papa se cache et dit au fils, je ne suis pas là, mais il est là. Il se cache et maintenant il commence à observer tout ce que fait son fils pour voir si son fils vraiment, il aime ses frères et il mérite cette place. C'est un peu ce que fait Dieu. La Bible dit, Dieu se cache. On va voir ça. Excusez-moi, en Guadeloupe, il y a beaucoup de poussières du Sahara. C'est dans Esaïe. Hein. Oh, Seigneur Jésus. Bon, Esaïe 44, verset 15. Esaïe 44. Esaïe 44, verset 15 à 23. Verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Ouais. Voyez. Vraiment, Esaïe 44, 45 plutôt. Esaïe 45, verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache.
c'est puissant. Mais on dit, mais Dieu se cache, oui. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Voilà pourquoi certains pensent même qu'il n'existe pas, il se cache. Parce que si tout le monde, s'il ne se cachait pas, même les gens méchants deviendront des hypocrites. Ils feront le bien, non parce que leur cœur a changé, mais parce qu'ils veulent échapper à l'enfer. Et mais Dieu se cache pour que le fond de cœur de chaque personne soit manifesté. Pour que le fond de cœur, la vraie identité de chaque personne soit manifestée. Et après, il va juger. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi, Dieu nous parle toujours en simplicité. Il nous parle toujours en cachette. Comme si c'est caché, voyez. Tu n'attendrais pas une voix qui parle dans le ciel. Non, il va se cacher, te parler, toi, son enfant, au fond de ton cœur, avec une voix douce, pour que les autres n'attendent pas. Il se cache. Il va te guider d'une manière simple. C'est pour cela que Dieu n'est pas spectaculaire. Il ne cherche pas à impressionner les gens. Voyez Jésus, quand son temps n'était pas arrivé, il faisait des miracles et il disait aux gens, ne publiez pas ça, cache-le. Jésus, il guérissait parfois certaines personnes, il leur disait, cache, ne dis pas ça. Voyez, c'est ça la différence entre Jésus et nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Nous voulons trop faire du buzz, malheureusement c'est ça. Nous voulons faire trop du buzz. Non que, et nous voulons que les noms de Jésus soient connus. Et nous voulons faire du buzz pour que nous soyons connus. Nous ne cherchons pas à faire du buzz pour glorifier Dieu. Mais nous voulons faire du buzz pour être connus. Et c'est pas bon. Que Dieu me fasse grâce. Que je ne sois pas de ce nombre de buzzistes. C'est un mot que j'invente. De ce nombre de buzzistes. Je sens une onction fraîche. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quelqu'un a dû prier pour moi. Je sens une onction fraîche. Je sens quelque chose de puissant. Je sens la présence de Dieu. J'espère que vous allez commencer à sentir comme moi. Voyez, plus vous développez vos sens spirituels, plus vous allez commencer à sentir l'onction prophétique. Vous allez commencer à voir les discernements des esprits. Vous allez commencer à voir, c'est développer les dons spirituels en vous. Voilà pourquoi la plupart des fois, Dieu nous parle par une petite voix au fond de nous. Une toute petite voix. Ne fais pas ça. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est ce que David dit, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. David dit, mon cœur parle de la part de Dieu. Donc, tu attends une voix petite et douce qui te parle, mais tu as l'impression que c'est toi qui penses, alors que c'est Dieu. Bon, maintenant, vous allez me poser la question, mais comment distinguer mes pensées de la voix de Dieu? C'est ça qui est très difficile. Comment distinguer mes pensées des pensées de Dieu? Parce que quand Dieu nous parle par une voix douce, vous risquez de penser que c'est vous qui imaginez ces choses, alors que c'est Dieu qui vous parle. Alors comment on peut distinguer ses pensées personnelles de la voix de Dieu? Et ça, c'est seulement avec l'expérience. Ça, c'est avec l'expérience. Moi, plusieurs fois, et j'ai vu des choses, je n'ai pas voulu croire parce que je pensais que c'est mon imagination. Plusieurs fois, j'ai vu des choses que j'ai douté parce que je pensais que c'est mes soupçons. Une fois, j'avais vu quelque chose, j'ai dit, mais pourquoi je pense mal des gens comme ça? À un moment donné, ça me tourmentait, quoi. Je me disais, mais pourquoi j'ai décidé noir sur des gens comme ça? Parce que des fois, quand Dieu vous montre le fond des gens, croyez-moi, adieu. Quand Dieu commence à vous montrer le fond des gens,
croyez-moi, à Pédiou. C'est terrible. Les gens sont tellement faux. Les gens sont tellement hypocrites, menteurs. Ah, Les gens sont tellement faux, croyez-moi. Les gens vous montrent les dents comme ça, sourient avec vous. Mais c'est eux-mêmes derrière le dos qui vous hachent, qui vous coupent en petits morceaux. Oh. Comment vous pouvez... Est-ce que je peux dire ça? Non, je vais essayer de ne pas dire ça. J'ai un ami. Un ami, pasteur, il est avec sa femme dans la voiture. Ils sont en train de voyager. Mais la femme du pasteur prend son amant, son ancien copain d'enfance du Congo. Oui, son ancien copain d'enfance du Congo, il présente cet homme à mon ami pasteur. Il lui dit, voici mon cousin. Imaginez-vous le degré d'hypocrisie et de mensonge. Cette femme-là a vu des délivrances parce que moi, je suis allé prier pour sa fille. On a fait des délivrances. Et là, il a vu la main de Dieu. Elle a vu la main de Dieu et la puissance de Dieu. Mais elle va dire à son mari, il prend son amant, il dit son ancien copain d'enfance. Ils se sont retrouvés. Et vous savez, en Afrique, on dit la femme, des fois, retourne toujours à ses anciens copains. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que une femme doit se marier vierge. La Bible dit ça pas pour rien, qu'une femme doit se marier vierge. Parce que parfois il y a des liens, quand une femme connaît d'autres hommes, il y a des liens qui ne s'effacent pas comme ça et qui fait que même une fois mariée, ça peut le ramener dans l'adultère. Et cette femme de pasteur, ce pasteur-là, c'est mon ami. Ce n'est pas une histoire que j'invente. Mais je ne veux pas citer son nom, parce que c'est sa vie privée. Mais c'est un témoignage. Alors, la femme va présenter son ancien copain à son mari. Il dit, voici mon cousin. Et le pasteur va le croire. Ils vont devenir copains avec l'amant de sa femme, comme des amis. Ils rentrent dans une même voiture. Ils vont voyager ensemble. Sa femme est là, son amant est derrière. Le frère pasteur conduit la voiture. Alors, il rigole, il parle, mais il ne sait pas que le monsieur qui est derrière, c'est l'amant de sa femme qui sort avec sa femme à son absence. Oh. Mais je dis, mais... Comment vous pouvez, les gens peuvent jouer avec Dieu comme ça? Comment les gens peuvent se moquer? Vous savez, j'ai tellement vu et entendu des histoires. Je vous dis, j'ai 56 ans. Je vous dis, j'ai compris pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. On peut te tuer comme ça, Bible à la main. Les gens peuvent te tuer, Bible à la main. Les gens peuvent te voler, te ruiner, Bible à la main. Caïn a tué Abel, Bible à la main. Comme il n'y avait pas encore la Bible à l'époque, mais c'était comme si c'était ainsi, parce qu'il était en train d'adorer Dieu, il était en train de prier. Et Caïn, il serait aujourd'hui, il serait un grand bishop, parce qu'il était un homme de prière, il serait un grand pasteur, Caïn, il serait aujourd'hui. Mais la jalousie, combien la jalousie se retrouve dans le cœur de mes frères hommes de Dieu, combien de fois la jalousie se retrouve dans nos cœurs, combien de fois la jalousie nous amène à la rivalité, à critiquer l'autre, à combattre. Oh, que Dieu ait pitié de nous, nous tous. Chrétien, pasteur, prophète, mais que Dieu ait pitié de nous. Le frère, il roulait avec sa femme et l'amant de sa femme, qu'il pensait être le cousin de sa femme. Et cette femme l'a prié, adoré Dieu, prêché la parole. Il y en a qui se moquent de Dieu. Il y en a qui se moquent de Dieu. Ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il a une grosse Bible ou parce que monsieur passait. Je dis même à mes fidèles,
ne me faites pas confiance parce que je prêche. Ça ne veut rien dire. C'est seulement Dieu. Faites-moi confiance, mais pas absolue. Pas confiance absolue. Confiance absolue, c'est seulement Dieu. Et moi, vous me faites confiance, mais vous restez prudent. D'accord? Moi, c'est pareil. J'ai fait à aucun être humain confiance absolue. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun être humain à qui je fais confiance absolue. C'est seulement Dieu. Un homme peut changer d'un jour à un autre. Un homme, le diable peut rentrer en lui et puis tout change. Oh my God. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Soyez prudents comme des serpents. » Dieu seul connaît qui est qui. Alors c'est pour cela. Vous devez écouter. Dieu parle dans votre cœur par une voix douce. Mais le diable aussi peut vous donner des idées noires. Le diable aussi parle aussi. Il peut vous bombarder avec de mauvaises pensées. C'est pour cela que vous devez être prudent. Il ne faut pas que tout rêve que vous avez, vous puissiez penser que c'est Dieu qui vous a parlé. Il ne faut pas que tout ce que vous ressentez, vous pensez que c'est Dieu. Et demain, j'aimerais vous dire l'hygiène spirituel pour écouter la voix de Dieu distinctement. Demain, rappelez-moi ça, hein? Demain nous allons voir l'hygiène spirituelle que nous devons avoir pour entendre proprement la voix de Dieu. Je vous ai dit, j'avais rencontré une jeune femme. D'ailleurs, mes fidèles de la Guadeloupe l'ont connue. Elle s'appelait Maria. Une prophétesse a prophétisé. Vous voyez, on était à Paris. Je crois que c'est Félix, mon fils Félix, ou pasteur Fred qui nous a bénis à Paris. Parce que dans la loi américaine, on peut être béni et après, le pasteur, lui-même, il est agent de l'État. Il fait les papiers officiels de la mairie. Comme c'était une Américaine, j'avais décidé de suivre la procédure américaine. On a été béni à Paris ou à Paris, je ne me rappelle pas, ça devait être le pasteur Fred ou le pasteur Félix. Mes enfants spirituels. Pourquoi ça? Parce que j'écris à la prophétie d'une prophétesse, d'une vraie prophétesse. Est-ce que c'est le diable qui l'a manipulé? Elle m'a dit au téléphone, prends ta femme. Et la mère de la fille me dit, voici ta femme, je te la donne, prends-la, ne la laisse pas retourner ici. Et bien sûr, toute affamée que j'étais, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Ah la chair, toute affamée que j'étais, je dis hallelujah. Mais lorsque nous sommes allés à Saint-Domingue, la nuit, j'avais pas sommeil. La nuit, je n'avais pas sommeil. Elle dormait à l'hôtel, mais moi, je n'avais pas sommeil au lit. Karabashinda. Je priais, je parlais en langue. À 5 heures du matin, je me suis assoupi et j'ai vu un ange. Vous savez, des fois, quand les anges vous apparaissent, moi, je n'ai jamais vu des anges avec des ailes. Bon, dans la Bible, il y en a qui l'ont vu, qui les ont vus avec des ailes. Mais moi, quand un ange me parle, il est comme un homme. Je vis un ange qui me dit, et cette femme ne t'aime pas. Cette femme aime un autre homme. Comme ça. Et le matin, je me réveille. Elle me dit, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dormi, mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Je dis, cette nuit, j'ai vu un ange qui m'a dit en songe que tu aimes un autre homme. La fille va me dire, c'est le diable qui t'a parlé. La fille, sachant que c'est Dieu qui a parlé, parce qu'elle sait que c'était vrai. Mais la fille va avoir le culot de me dire, c'est le diable qui t'a parlé. Oh, reba, baba. Oh, my God.
Mais pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Mais c'est terrible! Je préfère encore une prostituée qui couche avec les hommes dans la rue qui ne connaît pas Dieu. Je préfère encore un prêtre vaudou qui fait sa sorcellerie, mais il n'a pas rencontré Jésus. Je peux encore le comprendre. Mais toi, une chrétienne, tu as vu la puissance de Dieu. Tu as vu Dieu guérir. Tu as vu Dieu délivrer. Tu vois l'Esprit de Dieu agir. Et tu te permets de traiter le Saint-Esprit de diable. Ah, yababa. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà condamnés. On ne se moque pas de Dieu. Écoutez bien, on ne se moque pas de Dieu. Il m'a dit, c'est le diable. Mais moi, expérimenté à connaître bon Dieu à moi. Les bon Dieu qui a parlé, moi, ils savent que bon Dieu parlait moi. J'ai dit, ok. Mais Dieu l'a confondu. Hein? Dieu l'a confondu. Bien-aimé, on a besoin d'écouter la voix de Dieu. Des fois, on s'est fait avoir par des escrocs. Des fois, on s'est fait avoir par... Il y a plusieurs situations où les diables viennent nous piéger. Même dans les affaires, même dans le travail. Le diable vient nous tromper, nous piéger pour nous détruire. Mais parce qu'il nous panie discernement. Ou parce que des fois Dieu vous parle à l'intérieur. Il dit attention, attention, attention. Mais il n'y a pas qu'à écouter. Tu n'écoutes pas. Des fois Dieu te parle à l'intérieur. Mais parce qu'on n'a pas développé ce sixième sens. Ce sixième sens que Dieu nous a donné. Cet sens-là qui permet. Oh, si vous écoutez la voix du Seigneur, vous ne vous ferez jamais avoir. Je prie que Dieu me fasse à moi comme à toi grâce, qu'on apprenne à écouter la voix du Seigneur, la voix de Dieu, pour ne plus tomber dans le piège de l'ennemi, oh, parce que l'ennemi vient nous piéger, nous mentir. Sakamada baba yandada baba. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi pour te suivre. Alléluia. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Des fois, ton cœur te parle de la part de Dieu. Et bien sûr, parfois, la chair peut te parler aussi. Pourquoi je parle de ce verset? Parce que 90% de cas, Dieu nous parle par une voix intérieure douce. Hein? Une petite voix qui a dit où? Fais attention, mais c'est pas vrai. Fais attention, mais c'est pas vrai. Fais attention, mais c'est pas clair. Vous voyez, quelqu'un te parle et il t'impressionne. Mais tu as une voix douce, petite, qui dit, pas faire confiance à Messie. Pas faire confiance à Messie. Ni à Anguille sur Roche. Anguille sur Roche. Pas faire confiance. Et mais des fois, on n'écoute pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même nous dit, soyez prudents comme des serpents. Faut nous être prudents, bien-aimés. Faut nous être prudents. Bon Dieu qu'a dit nous, soyez prudents. Mais des fois, on fait trop confiance sans discernement. Et le résultat, on se fait souvent avoir. On se fait avoir. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider. Pour demander au Seigneur de nous rendre sensibles à sa voix. Et demain, rappelez-moi s'il vous plaît, hein, nous allons voir comment discerner la voix du Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur, la petite voix du Saint-Esprit.
de notre propre esprit. Parce que notre propre esprit peut nous parler et nous jouer des tours. Comme les démons aussi peuvent nous parler. La chair peut nous parler. Ouais. Mais comment discerner, distinguer cela? Bien sûr, avec le temps, ça devient instantané. Hein. Mais il faut du temps, avec l'expérience. Vous voyez, Jésus avait tellement l'intimité avec Dieu qu'il entendait, quand il avait un problème, il avait tout de suite la révélation et tout de suite, il disait à Pierre, « Pierre, vas-y au bord de la mer, il y a un poisson, attrape-le, ouvre-lui la bouche, il y a de l'or dans sa bouche et tu payes les impôts. » Jésus avait développé une telle communion avec Dieu que tout de suite, il voyait ce que le Saint-Esprit lui montrait. Et parfois, nous, il nous faut faire 7 jours de jeûne, parfois, il nous faut faire 1 jour de jeûne ou 3 jours de jeûne pour entendre la voix de Dieu, parce que nous sommes trop embrouillés. Embrouillés avec des histoires, avec des amertumes, avec des cancans, avec un tel a dit, un tel... On est tellement embrouillés parfois. Pour entendre la voix de Dieu, il nous faut nous isoler et prendre beaucoup de temps pour entendre. Et parfois, quand on comprend, c'est déjà trop tard. Oui, quand on comprend, on est déjà tombé dans le piège ou dans l'accident. Alors, le Seigneur qui voulait nous prévenir d'un accident doit maintenant nous guérir d'un accident. Vous comprenez? Le Seigneur qui voulait nous prévenir d'un danger, d'un malheur, mais comme on est parfois distrait, on tombe dedans, maintenant on doit prier pour qu'on soit guéri et délivré du piège. Mais si on avait des oreilles bien exercées, on écoutait bien le Saint-Esprit, il y a plein de malheurs qui n'allait pas nous atteindre, il y aurait plein de faux combats qu'on n'aurait pas eu à faire. On ne peut pas passer toute sa vie toujours à se battre, toute sa vie toujours, à combattre toujours avec les démons, toujours chamaillerie, non. Ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie qu'on soit tout le temps en train de prier pour que Dieu nous délivre de pièges du diable, non. Et Dieu veut que nous ne tombons pas dans ce piège. Dieu veut que nous ne perdons pas notre temps hein, dans ces histoires-là. Mais Dieu, son plan, c'est que nous passons la majeure partie de notre vie à l'adorer. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations. Venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, Habashikababa, roi de gloire, viens adorer, Alléluia, peuple racheté, Alléluia. Toutes les nations, venez les louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi des gloires. Je vous aime beaucoup, amis téléspectateurs, la suite c'est demain. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. On a payé petit à petit et si on n'a pas ni l'argent, on a fouillé. Voilà. Il n'y a pas qu'à porter plainte.